Bienvenue pour suivre un nouvel sport aujourd'hui. Nous commençons avec une nouvelle nationale. Bodybuilding, compétition Mr. Seychelles pour faire ça vendredi, 8h30 du soir, côte ICCS. 15 participants, une finie confirme autres participations. Parmi les vice-champions Mr. Seychelles 2018, Mervyn Digas, qui s'allonnait, y croit, est capable de remporter sa titre. L'année passée, dans la compétition Mr. Seychelles 2018, Mervyn Digas tivoali à côté de Ziad Mekdachi et là de sa compétition, il est classé de deuxième place. Pour Digas, l'entraînement paye bien et pour lui, il croit qu'il y a quelque chose pour parer pour sa vendredi. Je connais le bodybuilding, il y a un sport qui est un peu physique, surtout dans le gym. Ouais, c'est n'est pas usual, c'est very good. Après tout, pour petit champ qui fait, nous dédiquer, de faire sur les quoi préparer. Donc, si vous mettez tout, 100%, c'est mieux de mettre 100%. Ouais, pour le moment, c'est n'est very good. I, every year, moment là, tout quoi, always. So, mon sentiment qui est là, à l'année, quand même, pas trop préparé, à cause, on a besoin de vivre, on a encore vivre, bien, avec pas de passeport. Donc, je dis, ok, et mon fait bien. Pour à l'année, là, on est satisfait. Quand tu es capable, maintenant, on stage, on mène à pour mener. So, nous satisfait, mon training mérité. Ses habitants de Yongville, il dit qu'en 2019, il est capable de solitaire de compétition, Mr. Seychelles. Tout sport, il est un champion. J'ai envie que mon monde de Halagin à l'étang. On ne peut pas give up là, right now. C'est moi, je là, pour me dire, il tient un bon exemple de bodybuilding. Azenbourg, un bodybuilder, il tient un bon exemple. Et right now, il parle là, il est totalement pour moi la guerre, mon cœur gagne à cause de mon battle de clé. Une deuxième, mon second best, so why not, nous essayer. Ouais, tout le monde vient pour gagner, seulement mon mindset, je viens pour gagner même, of course. Pour Mervyn Digas, capable de passer, il demande si pour public, pour amener un petit peu d'autres soutiens, et il a fait nécessaire les low stage. Mon appel pas bodybuilding, charboudé, pas un jimon. On aime prendre bodybuilding, c'est un bodybuilding et un sport, qui est bon pour l'encouragement, pour un bougal devant. Quand on dit, on vient supporter, on n'a pas beaucoup de bodybuilders, on va venir un peu yazé, on a un nouveau maman qui est venu. Il vient supporter, mais il y a un best win, chacun descend avec son jimon qui peut supporter, il y a un peu de En 2018, Ryan Bastien remporte le titre Mr. Seychelles Junior. À l'âge de 20 ans, Bastien il est décidé à présent pour prendre part de la compétition Mr. Seychelles physique. Training peut bien aller, mauvais qualité. On a dit merci, ça va aller aussi. Pour les bains, un petit guide. Ses habitants Bilaza, Ryan Bastien, puis a laissé tout son sens de sa compétition Mr. Seychelles physique. Plus bon encore, plus mauvais mot pour plus bon encore qui l'année passée. Ça voyage qui l'a pour dans physique, pas pour dans bodybuilding à cause n'a pas aucun athlète pour compéter dans bodybuilding vu que mon habitué à mon tout seul, mais la coude physique m'a guetté qui m'était. Mais pour bon du monde qui supporte tout ça soir, que ça compte à 10 autres. Descendre tout, vin participer, vin payer un ticket, vin monter support pour bodybuilding. Après, si tout le monde est fan, si tout le monde descend aussi, vin support moi. Merci. Alors, rendez-vous pour compétition Mr. Seychelles et vendredi ICCS. Early detection, keep you in the game, item qui la zone sportif pour sensibiliser la population aux maladies cancer pour dérouler en bas la salonnée. Sa activité et l'initiative comité ben madame parlementaire Cécile en collaboration avec autres ben partenaires là tout du monde peut gagner invité pour participer et dernière date l'enregistrement il est dit le 10 octobre Moi, octobre, l'habitude, j'ai dédié comment moi sensibilisation contre maladie cancer. Comme là, nous avons encouragé pour mettre les roses. Pareil, tous les ans, plusieurs activités sont organisées et ça n'est pas une exception. Après Brave the Chef samedi, ça samedi le 12 octobre, comité de l'association Bonne Madame Parlementaire ici, en collaboration avec l'association Cancer Cécile, Conseil national pour sport CNSI, ministère de la Santé, K-Radio, Expressa, l'association Sports Bonne Madame Cécile, puis organise la journée sportive qui peut dérouler au Freedom Square. Ça, avec B, emmène support et simplice la clarté, dans sa maladie qui est parmi la cause principale de la mort ici, Cécile. Cancer, il touche nous tous.
So, cancer, les nous faisons sport, sinon son aspect bénéfice, son health benefits, après son aspect social. Nous nous sommes ensemble pour faire un petit pas, pour mener du monde ensemble, pour raise awareness, pour nous guider du monde, pour nous venir participer ensemble, have fun pour samedi. La journée pour commencer, c'est pour matin, 8h30, et tout pour démarrer avec FN Run qui pour dérouler dans la ville Victoria. Le programme pour domino, volleyball, netball et football. Tout le monde est capable de participer et l'invitation spéciale est pour bon dans le travail. Pendant l'après-midi, nous prenons un coin pour les enfants pendant une compétition face painting, bonne art activities. Encore, nous pouvons tous un peu par les bons enfants, bien bonnet, un petit peu, l'ensemble de ça, ensemble avec bon grand monde, pour les involver un petit peu aussi là-dedans. So, nous demandons tout le monde, nous lançons l'appel, nous envoyons l'invitation pour bon la doit travailler. Nous demandons tout le monde qui peut enregistrer pour les faire avant les 10. So, déjà, nous à peu près un set de l'organisation qui nous répond. So, nous sommes contents qui bon qui peut mon ordi, qui peut qui utilise autres pour confirmer, pour autres faire li pas plus tard qu'il est dit ça cause une bonne formalité qui nous aussi nous pour besoin faire. Pour en la coupe pour les trois premières positions, là tout le monde peut gagner encouragé pour sans en rose. Encore moi lance un appel pour tout le monde nos populations en nous reste en bonne santé. OK, obésité peut venir de plus en plus quantité cessel. So nous NS si nous presse l'obésité, nous envie réduire ça crise obésité dans cessel parmi enfants, parmi population. Nous peut dire tout le monde qui peut écouter moi aujourd'hui, tout le monde qui peut encore enregistrer ou bien n'importe qui du monde pareil moi écoute qui peut encore former un team qui n'a pas un team besoin, descendre autres. Vous prenez un team besoin là-dedans. L'association Squash Cecil est une bénéficiaire avec plus l'équipement qui est capable d'aider avec le développement pour les zen. C'est le comité SOCA qui a fait sa donation hier à notre headquarters Stadinité. C'était dans la présence du membre du comité SOGA qui préside Antonio Coupal qui remet sa donation l'équipement avec le trésorier de l'association Scroche, Trisha 4, dans la présence de Zoé Scroche Eva Alphonse. Le président SOGA indique qu'ils ont tout le temps paré pour aider dans les différents l'association. Et aujourd'hui, c'est sportivement, c'est dans le pays, c'est bonne fédération, c'est association, bonne attention. Encore une fois, nous remercions beaucoup. Merci, M. Association Scotch avec tout bon membre, avec tout bon joueur. On a profité pour dire merci au Comité Olympique pour assister nous. Le Comité Olympique qui assiste à bon association pour être capable de faire le développement sport. Et puis, dans un bon moment, à cause de Timok, on a un peu d'équipement pour faire le développement sport pour Scotch, c'est tout. Sa donation l'équipement y inclut plusieurs quelque chose qui est capable de servir dans une compétition squash aussi pendant une session l'entraînement et sa bonne l'équipement pour avoir plus de développement dans squash côté zen et concerné. Le prochain sujet est football. Côté aujourd'hui d'un match Ligue CPL Première Division qui joue le stade l'Unité. Il y en a l'équipe Côte d'Or qui bat au Cap 6 goals l'ON. Et action football pour quotidien demain dans la Ligue 2e division, 5h30 au stade l'Unité, Lion LMS posé contre Saint-Jean Bosco. Après 7h30 du soir, ça poursuivre avec un autre rencontre 2e division, Tigers, qui vont rencontrer Anse Royale. Et nous amène à la fin de nouveaux sports pour aujourd'hui. Merci pour qu'ils nous suivent.